Bonjour, nous voilà pour une nouvelle vidéo de la semaine. On a choisi l'anneau et le lacet. Pourquoi? Parce que il n'y a pas grand-chose, il y a juste un anneau et un lacet. Et le tour, à chaque fois qu'on le fait, ben, il fait des grosses sensations. Donc c'est pour ça qu'on aime bien le faire, surtout moi. J'aime bien le faire et refaire, surtout qu'il n'y a pas grand-chose à transporter. Je vais vous montrer. Tiens, Kevin, approche-toi. Comme ça, je te fais un tour. Un anneau et un lacet, d'accord? À la une. Normalement, l'anneau va rentrer dans le lacet. À la 2. Hop, ça c'est lui. Ouais, je suis pas allé assez vite. Bon, si ça rentre, ça rentre. Par contre, si ça sort, ça sort. Et tu peux examiner. Donc l'avantage, c'est qu'on peut donner à examiner l'anneau. En plus, tiens, regarde. Bah, tiens-le. Tu vas le mettre dedans ici. Parce que là, il est dedans. Dedans le lacet. Ouais, allez, lâche. Oh, tu t'es entraîné ou quoi? Incroyable! Comment t'as fait? Donc, anneau dedans, et si on tire, pouf, il sort. Et on peut même viser à l'extérieur, pouf. Attention, je le refais. 1, 2, 3, 12. Ah. Faut juste avoir visé. Tu vas le faire toi. Regarde ce que tu vas faire. Pardon. Tu vas juste viser ici, là. Approche-toi. Vas-y. Incroyable! Mais comment tu fais? C'est la première fois au monde que je vois ça. On va faire même un nœud, regarde, un nœud. Regardez bien la caméra si je fais vraiment un nœud. Si ça c'est un vrai nœud, oui, on voit bien? Les câbles. C'est un vrai nœud? Donc là tu dors, tu es dans un rêve. Et dans un rêve tout est possible. Attrape l'anneau, prends-le, et là tout est possible. Anneau normal, ficelle normale, et on peut donner à examiner l'anneau et le lacet. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut tout donner à examiner. L'anneau est pas truqué, le lacet, ben, il ne rentrera pas. Le lacet est normal, on peut le donner à examiner. Tout est examinable et c'est pour ça que c'est bonnard. Donc ça s'appelle l'anneau et la lacet, c'est très facile à faire, il n'y a aucune manipulation, il n'y a pas de manipulation de nœuds, il n'y a rien de tout ça. Ben le matériel est très simple, le spectateur comprend de suite ce qui va se passer, on voit de suite le tour de magie, parce que des fois il y a des tours où on n'arrive pas trop à comprendre, mais là on arrive à comprendre de suite qu'il y a eu un phénomène qui est inexpliqué, parce que ça, rentrer là-dedans c'est quasiment impossible. Mais c'est impossible, la rentrée de la traversée de la matière n'existe pas. C'est pour ça que le tour est pas mal, c'est facile à faire. Un anneau en laiton, un bout de ficelle, vous faites des miracles. En cuivre, le En cuivre, pardon. C'est Jérôme, il est spécialiste du matériau. Donc un anneau en cuivre, un bout de ficelle, et après que des miracles. Pour ceux qui l'ont pas, prenez-le, vous verrez que c'est bien. Pour ceux qui l'ont, ils sauront que c'est vraiment vrai de ce que je raconte, que le tour est bien, que ça passe vraiment très bien. On peut tout donner, examiner à la fin, et c'est vraiment très bien. Voilà, faites-vous plaisir, ça s'appelle l'anneau et lacet. On préfère vous faire des petites vidéos sur ces objets-là, parce que souvent, on passe à côté de certains tours, en voyant juste une photo, on se dit, bon, c'est bidon. C'est pour ça qu'on insiste sur des objets comme ça, qui sont très faciles à faire. Merci à vous, à bientôt.